Et Shepard, c'est une stellaire, non? Elle a passé toute sa vie dans l'espace. Ses deux parents étaient dans l'armée. Elle a ça dans le sang. Elle a causé la mort de presque toute son unité sur Torfan. Elle fait le boulot qu'on lui demande de faire, quel qu'en soit le prix. Peut-on vraiment confier la protection de la galaxie à ce genre de personne? Si quelqu'un peut le faire, c'est justement ce genre de personne. Je vais prendre ma décision. Arcturus Prime en vue. Début de la séquence de transmission. Commandant. Connexion établie. Calcul de la masse de transit et de la destination. Relais opérationnel. Acquisition du vecteur d'approche. Station sécurisée pour transit. La phase d'approche. Passage du relais dans 3, 2, 1. Propulseur, ok. Navigation, ok. Puits thermique interne activé. Système opérationnel. Déviation, juste sous la barre des 1500 clics. Pas mal. Votre capitaine sera satisfait. Je déteste ce type. Attends, il vient de te faire un compliment. Donc tu le détestes, c'est bien ça? Tu parles d'un compliment? Je viens juste d'atteindre une cible de la taille d'une tête d'épingle depuis l'autre bout de la galaxie, et il trouve ça pas mal. Et puis, je suis peut-être parano, mais ça me rend nerveux d'avoir un spectre à bord. Pas de doute, t'es vraiment parano. Le Conseil a participé au financement de ce projet, et ils envoient quelqu'un surveiller leur investissement. Je ne vois pas le problème. Ouais, ça c'est la version officielle. Mais cette mission, je la sens mal. De toute façon, Joker, toutes les missions, vous les sentez mal. J'ai un sixième sens. Et puis on ne va pas quelque part sans raison. Joker, au rapport. On vient de passer le relais cosmodésique, capitaine. Système furtif activé. Tout a l'air de tenir. Bien. Trouvez une balise de transmission et reliez-nous au réseau. Je veux que les rapports de mission soient renvoyés à l'état-major avant d'atteindre Eden Prime. À vos ordres, capitaine. À propos, vous allez recevoir un visiteur. Vous voyez de qui je parle? Il est déjà là, lieutenant. Envoyez le commandant Shepard pour un débriefing, tout de suite. Vous avez entendu, commandant? Il n'avait pas l'air content. Il doit y avoir un problème. En même temps, il est toujours comme ça quand il me parle. Tiens donc, comme c'est étrange. Mais si, je viens de le voir. Il avait une de ses démarches, comme s'il était en mission. C'est un spectre, ils sont toujours en mission. Et on... Félicitations, commandant. On dirait que tout s'est bien passé. Vous descendez voir le capitaine? On dirait que vous ne faites pas confiance à notre hôte Turien. Désolé, commandant. Je discutais seulement avec Adams en bas aux machines. Je ne voulais déranger personne. Mais il faut reconnaître qu'il y a quelque chose d'étrange dans cette mission. Tout l'équipage le sent. Vous pensez que l'état-major nous cache quelque chose? Si tout ce qu'on a à faire, c'est tester le système furtif, pourquoi est-ce que le capitaine Anderson dirige la mission? Sans parler de Nilus. Les spectres sont des espions d'élite. Qu'est-ce qu'un espion turien viendrait faire dans un vol d'essai? Ça ne colle pas. Vous n'avez pas confiance en Nilus?
Je n'aime pas les Turiens, de manière générale. Cette famille, mon grand-père a participé à la guerre du premier contact. Il a perdu beaucoup d'amis quand les Turiens ont attaqué. C'était il y a 30 ans. Vous ne pouvez pas blâmer Nihlus pour ça. Non, bien sûr. Mais ça me rend nerveux d'avoir un spectre à bord. Surtout un Turien. Nous sommes un vaisseau de l'Alliance, l'armée humaine. Mais contrairement à nous, Nihlus n'a pas de compte à rendre au capitaine. Les spectres opèrent en dehors de la hiérarchie. Et ils ne viennent pas juste pour observer des vols d'essai. Nihlus a l'air de s'attendre à de l'action, ça ne me plaît pas. Vous avez un problème avec le capitaine ? Bien sûr que non, chef. Mais je ne comprends pas ce qu'il fait ici. Le capitaine Anderson est l'un des officiers des forces spéciales les plus décorés en service. En fondant toutes ses médailles, il pourrait fabriquer une statue de lui grandeur nature. On n'envoie pas un soldat comme ça en mission de routine. Il prend ce vol d'essai trop au sérieux. Il se passe quelque chose d'important. J'essaierai d'obtenir des réponses quand je le verrai. Bonne chance, commandant. J'ai grandi sur Eden Prime, Doc. Les spectres qui viennent ici le font pas par plaisir. À mon avis, Nihlus nous cache quelque chose. À votre avis, commandant, on va rester longtemps sur Eden Prime ? Moi, je veux de l'action, de la vraie ! J'espère sincèrement que vous plaisantez, caporal. L'action signifie généralement que je me retrouve à rafistoler des membres de l'équipage à l'infirmerie. Seul un fou ou un idiot recherche les combats, caporal. Pardon, commandant, mais j'en peux plus d'attendre sans rien faire. C'est la première fois que je participe à une mission avec un spectre. Que savez-vous des spectres ? Seulement ce que j'en ai entendu dire. Les agents spectres travaillent directement pour le Conseil de la Citadelle. Ils opèrent généralement seuls ou en petits groupes. Mais les spectres n'ont aucun pouvoir officiel. C'est surtout une organisation de l'ombre chargée de protéger la stabilité de la galaxie. La protéger à tout prix ! C'est ça qui compte ! Les spectres sont au-dessus des lois ! Donner un pouvoir pareil à quelqu'un, c'est de la folie. Et s'il devient incontrôlable ? Je suppose que le Conseil peut retirer son statut de spectre à un agent qui lui échapperait. À ce moment-là, le service de sécurité de la Citadelle prendrait le relais. Le SSC ? Il serait foutu d'avance. Un spectre est plus redoutable que 20 soldats ordinaires. Non, les spectres font leur propre police. S'il y en a un qui déraille, ils envoient un autre agent pour l'abattre. C'est ça la justice des spectres. Le caporal confond histoire romancée et réalité, commandant. Le capitaine m'attend. Au revoir, commandant. Commandant Shepard, vous êtes seul ? Tant mieux, je dois vous parler. Je m'attendais à voir le capitaine. Il arrive. Eden Prime, cette planète sur laquelle nous nous rendons, on dit que c'est un monde magnifique. À ce qu'on dit, c'est un vrai paradis ? Oui, un paradis. Un havre de paix et de tranquillité. Eden Prime est un symbole pour votre peuple, n'est-ce pas ? Une preuve que l'humanité est non seulement capable d'établir des colonies galactiques, mais aussi de les protéger. Mais cette protection est-elle vraiment efficace ? Vous savez quelque chose ? Les humains sont encore jeunes, inexpérimentés. La galaxie recèle bien des dangers, Shepard. L'Alliance est-elle prête à y faire face ? Je crois qu'il est temps de dire la vérité au commandant. Cette mission est bien plus qu'un simple vol d'essai. Je me disais bien que vous nous cachiez quelque chose. Nous organisons un ramassage secret sur Eden Prime. C'est pour ça que le système furtif devait être opérationnel. Il doit y avoir une raison pour que vous ne m'en ayez pas parlé, chef. Les ordres viennent d'en haut, commandant. Je ne pouvais donner d'informations qu'au compte-gouttes. Une équipe de recherche sur Eden Prime a déterré une sorte de balise, d'origine protéenne. Je croyais que les protéens avaient disparu il y a 50 000 ans. Leur héritage existe toujours. Les relais cosmodésiques, la citadelle, nos systèmes de propulsion, tous sont basés sur la technologie protéenne. Cette mission est cruciale, Shepard. La dernière fois que l'humanité a fait une découverte de ce genre, notre technologie a fait un bond de 200 ans en avant. On ne pourra rien apprendre de plus tant que la balise restera sur Eden Prime. Il faut la rapporter sur la citadelle pour qu'on puisse l'étudier sérieusement.
Cela va au-delà des seuls intérêts humains, commandant. Cette découverte pourrait avoir des répercussions sur toutes les races de l'espace concilien. Pourquoi on n'a pas gardé la balise pour nous ? Les humains n'ont pas la meilleure des réputations. De nombreuses espèces vous trouvent égoïstes, voire dangereux. Trop imprévisibles, trop indépendants. En partageant la balise, nous améliorerons nos relations avec le Conseil. Sans compter que nous avons besoin de leur expertise scientifique. Ils en connaissent plus que nous sur les protéens. La balise n'est pas la seule raison de ma présence ici, Shepard. Nihlus veut vous voir à l'œuvre, commandant. Il est là pour vous évaluer. Donc c'est pour ça que je le croise à tout bout de champ. L'Alliance soutient ça depuis longtemps. L'humanité veut jouer un plus grand rôle dans la politique interstellaire. Nous voulons avoir notre mot à dire au Conseil de la Citadelle. Or, les Spectres incarnent la puissance et l'autorité du Conseil à travers toute la galaxie. Qu'un des nôtres rejoigne leur rang serait un énorme pas en avant. J'ai lu les rapports sur Torfan. Impressionnant. C'était une sale affaire, mais vous avez fait du bon boulot. C'est pourquoi j'ai proposé votre nom pour intégrer les Spectres. Pourquoi un Turien voudrait-il faire entrer un humain parmi les Spectres ? Tous les Turiens ne sont pas hostiles aux humains. Certains d'entre nous voient tout le potentiel de votre espèce. Vous avez beaucoup à offrir à la galaxie et aux Spectres. Nous sommes un groupe d'élite, et il est rare de trouver un individu de votre talent. Je me fiche pas mal que vous soyez humaine, Shepard, tant que vous avez les compétences nécessaires. Si j'accepte, c'est pour le bien de l'Alliance. Pour notre bien à tous, Shepard. Nous comptons sur vous. Il faut d'abord que je vous évalue, commandant. Nous allons faire équipe pendant quelque temps. Vous serez responsable de l'équipe au sol. Récupérez la balise et rapportez-la sur le vaisseau au plus vite. Nihlus vous accompagnera en tant qu'observateur. Qu'est-ce qu'elle a de si important, cette balise ? Toutes les civilisations galactiques évoluées sont basées sur la technologie protéenne. La vôtre ne fait pas exception. Si l'humanité n'avait pas découvert ces ruines enfouies sur Mars, nous serions toujours coincés sur Terre. Et encore, ce n'était qu'un petit cache de données. Qui sait ce que nous pourrons apprendre de cette balise ? Imaginez qu'il s'agisse d'archives d'armes. Nous ne pouvons pas la laisser tomber entre de mauvaises mains. Comme qui, par exemple ? La travée de Latic n'est pas le secteur le plus stable de l'espace concilien. Il existe de nombreux pirates et groupes criminels actifs dans la région. Ils peuvent se dire qu'une balise protéenne vaut la peine d'attaquer un vaisseau de l'Alliance. De plus, Eden Prime est situé juste à la frontière des systèmes Terminus. La travée de Latic est sous la protection de la Citadelle. Si les systèmes Terminus attaquent, c'est un acte de guerre. En théorie, oui. Mais certaines des espèces des Terminus seraient prêtes à déclencher un conflit pour ça. Se retrouver entraîné dans un conflit majeur avec les systèmes Terminus est la dernière chose que souhaite le Conseil. Nous devons donc faire profil bas. J'attends vos ordres, capitaine. Nous devons être tout près des... Capitaine, on a un problème. Quel problème, Joker ? Transmission d'Eden Prime, chef. Faut que vous voyez ça. Basculez-la sur écran. Envahis notre position. Je répète, nous sommes attaqués. Ça s'arrête là. Après ça, plus rien. Plus le moindre signal. Retour arrière, arrêt à 38.5. Situation ? Nous sommes à 17 minutes, capitaine. Aucun autre vaisseau de l'Alliance dans le système. Joker, manœuvre d'atterrissage. Je crois que les choses se compliquent un peu. Une petite équipe d'intervention passera plus facilement inaperçue. C'est notre meilleure chance de récupérer la balise. Préparez-vous et retrouvez-moi dans la cale. Prévenez aussi Alenko et Jenkins. Vous partez en mission, commandant. Activation du système furtif.
quelqu'un a creusé de sacrés trous par ici, capitaine. Pour cette mission, inutile de faire dans la finesse, commandant. Vous débarquez et vous foncez directement au site de fouille. Et les survivants, capitaine? L'aide aux survivants est un objectif secondaire. Notre priorité, c'est la balise. En approche de la zone de débarquement Alpha. Vélus, vous venez avec nous? Je travaille mieux en solo. Nilus opérera en éclaireur et vous tiendra informé de la situation. À part ça, silence radio absolu. On le couvrira, capitaine. Shepard, je vous passe la main. Bonne chance. En approche de la zone de débarquement Bêta. Bon sang, qu'est-ce que c'est? Des poches de gaz! Vous en faites pas, elles vont pas vous sauter dessus! Oh, c'est pas vrai! C'est quoi cette boucherie? Nous veillerons à ce qu'il soit enterré avec les honneurs, mais pour le moment, il faut qu'on se concentre sur la mission. À vos ordres, chef. Contact! Désactivation! Je suis tombé sur un charnier, Shepard. Des ruines et des cadavres. Je vais voir ça de plus près. On se retrouve sur le site de fouille. Ennemi neutralisé. Artilleur Ashley Williams de la 212e, chef. C'est vous le plus haut gradé? Williams, au rapport. On était en patrouille dans le secteur quand l'attaque a eu lieu. On a essayé d'envoyer un signal de détresse, mais ils avaient coupé nos transmissions. Depuis, j'essaie de survivre. Où se trouve le reste de votre unité? On a tenté de foncer vers la balise, mais on est tombé dans une embuscade. Je sais pas si les autres ont... Je crois que je suis la seule survivante. Ce n'est pas votre faute, Williams. Vous ne pouviez rien faire pour les sauver. Oui, chef. On a tenu le plus longtemps possible, mais au final, on s'est fait écraser par les guettes. On n'en a pas vu en dehors du voile depuis près de 2 siècles. Qu'est-ce qui les aurait poussés à revenir ?
Ils ont dû être attirés par la balise. Le site de fouille est juste après ce promontoire. Elle y est peut-être encore. Votre aide serait la bienvenue, Williams. Bien compris, chef. On a un compte à régler, eux et moi. Qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre sur les guettes ? Ce qu'on apprend en cours d'histoire. Ce sont des formes de vie synthétiques avec une IA limitée, créées par les Cariens il y a quelques siècles. Ils faisaient office de main-d'œuvre bon marché, mais ils ont fini par se retourner contre les Cariens qui ont dû prendre la fuite. Après ça, les guettes ont comme qui dirait disparu derrière le voile de Persée. Personne ne sait ce qu'ils sont devenus. Que s'est-il passé avant l'attaque ? On est venu de la colonie principale il y a 2 nuits pour nettoyer la zone. Ça s'annonçait comme une patrouille de routine, jusqu'à ce que les guettes nous tombent dessus. On n'a rien vu venir. Les scientifiques, qu'est-ce qu'ils sont devenus ? Aucune idée. Ils avaient un campement près de la balise avec la 232e en faction. J'espère que leur unité s'en est mieux sortie que la mienne. En route ! La balise est à l'autre bout de cette tranchée. Voilà le site des fouilles. La balise était juste ici. Elle a dû être déplacée. Par qui ? Des hommes à nous ou par les guettes ? Difficile à dire. On en saura peut-être plus après avoir fouillé le campement. Vous croyez qu'il y a des survivants ? Peut-être, avec de la chance, en se cachant dans le campement. C'est au sommet de cette crête, en haut des rampes. Changement de programme, Shepard. Il y a un petit spatioport droit devant. Je veux vérifier. Je vous attendrai là-bas. Je dirais que le camp de recherche a été salement touché. L'endroit idéal pour une embuscade. Restez sur vos gardes. Ils sont encore vivants. Qu'est-ce que les guettes leur ont fait ? Pas le moment. Ah. Cette porte, elle est fermée. Verrouillage de sécurité enclenché. Humains, loué soit le Créateur. Vite, fermez la porte avant qu'ils reviennent. Ne vous inquiétez pas, on va vous protéger. Merci, mais je crois qu'il n'y a plus de danger. On dirait que tout le monde est parti. Vous êtes bien le docteur Warren, responsable des fouilles ? Vous savez ce qui est arrivé à la balise ? Elle a été expédiée au spatioport ce matin. Manuel et moi sommes restés ici pour démonter le camp. Pendant l'attaque, les marines les ont retenus suffisamment longtemps pour qu'on puisse se cacher. Ils se sont sacrifiés pour nous sauver. Personne n'est sauvé, c'est la fin de l'humanité. Bientôt, il ne restera plus que des ruines et des cadavres. Qu'est-ce qu'il a, votre assistant ? Manuel est très intelligent, mais il a toujours été un peu instable. Le génie et la folie marchent souvent main dans la main. Est-ce folie que de connaître l'avenir ? De voir la grande destruction fondre sur nous ? De savoir qu'il n'y a pas d'issue, pas d'espoir ? Non, je ne suis pas fou, il n'y a que moi qui sois sain d'esprit. Je lui ai donné une double dose de médicaments après l'attaque. Savez-vous quelque chose à propos de la balise ?
C'est une sorte de module de données connecté à un réseau de transmission galactique. Son état de conservation est excellent. Il s'agit peut-être de la plus grande découverte scientifique de ce siècle. De nouvelles technologies miraculeuses, des avancées médicales incroyables. Qui sait ce que renferme cet objet ? Nous avons déterré le cœur du diable, réveillé la bête, libéré les ténèbres. Manuel, s'il te plaît, pas maintenant. Williams, emmenez-nous au spatioport. Vous n'y pouvez rien. Personne n'y peut rien. La nuit tombe, la nuit éternelle. Chut, Manuel, va t'allonger. Tu te sentiras mieux quand le médicament aura fait effet. Saren ? Nimbus. Qu'est-ce que tu fais là ? Tu n'es pas en mission. Le Conseil a cru bon de m'envoyer t'épauler. Je ne m'attendais pas à trouver des guettes. On est dans un beau merdier. Au contraire, je me charge de tout. Là-bas au loin. Un vaisseau. Non, mais vous avez vu la taille. Que tout le monde reste calme. On sort. On n'est pas armés. C'est bon? Ils sont partis? Vous êtes en sécurité maintenant. Personne ne va vous faire de mal. Ces trucs grouillaient autour de l'abri. Ils nous auraient trouvés, c'est sûr. On vous doit la vie. Je n'arrive pas à y croire. Quand j'ai vu ce vaisseau, j'ai pensé que c'était la fin. Il est arrivé juste avant l'attaque. J'ai su que les ennuis arriveraient dès que je l'ai vu. Alors je me suis barré vite fait. Que pouvez-vous me dire sur le vaisseau que vous avez vu ? J'étais trop occupé à courir pour bien regarder. Je crois qu'il a atterri près du spatioport. Dis-leur à propos du bruit, Cole. Le bruit horrible. Il émettait une espèce de signal en descendant. On aurait dit des cris de damnés, sauf que le son était dans notre tête. Il essayait probablement de bloquer les communications. Je ne sais pas ce que c'était, mais ça me vrillait le crâne. J'arrivais à peine à réfléchir. Dites-moi tout ce dont vous vous rappelez sur l'attaque. On travaillait tous les trois au champ quand ce vaisseau s'est pointé. On a détalé aussi sec. Je ne sais pas ce qui est arrivé au reste de l'équipe. Ils étaient près du garage, pas loin du spatioport. Là où a atterri ce vaisseau. Impossible qu'ils s'en soient tirés. Mais vous n'en savez rien. On a bien survécu, nous. S'ils sont arrivés au garage, ils ont peut-être eu une chance de se battre. Vous savez quelque chose sur la balise protéenne qu'ils ont découverte ? On est simplement des fermiers, nous. On a entendu dire qu'ils avaient trouvé quelque chose, mais ça nous intéressait pas vraiment. Enfin, pas jusqu'à maintenant. Je dois y aller. Hé, Cole ! Une poignée de fermiers, ça fait pas le poids contre des soldats. Peut-être qu'on devrait leur donner le truc. Bon sang, Blake, tu devrais apprendre à la fermer. Vous avez quelque chose à me dire, Cole ? Il y a des gars du spatioport qui géraient une petite opération de contrebande. Rien d'important. On les laissait stocker des paquets dans nos abris en échange d'une commission. Vous enfreignez la loi, Cole. On ne fait de mal à personne, et la plupart du temps, on ne sait même pas ce qu'il y a dans les paquets. J'ai simplement pensé qu'on pourrait trouver quelque chose d'utile. J'ai trouvé un pistolet, je me suis dit que ça pourrait être utile si ces choses revenaient. Mais il vous servira plus à vous qu'à nous. On risque notre vie pour sauver cette colonie.
Vous êtes sûr qu'il n'y a rien d'autre qui pourrait nous être utile là-dedans? Ouais, il y a autre chose, un mode. J'allais le vendre quand tout serait terminé, mais vous le méritez plus que moi. Il y a votre contact au spatioport, Cole. Comment s'appelle-t-il? C'est pas un mauvais gars, je veux pas lui attirer d'ennui, et je suis pas une balance. Il a peut-être quelque chose à voir avec toute cette attaque. Cole, donnez-nous son nom, c'est important. Ouais, ok, vous avez raison. Il s'appelle Powell. Il travaille sur les docks du spatioport, s'il est toujours vivant. Je dois y aller. Commandant, c'est Nihlus. Un Turien ? Vous le connaissez ? C'est un spectre. Il était avec nous sur le Nord. Il y a quelque chose qui bouge, là, derrière ces caisses ! Attendez, ne tirez pas. Je suis des vôtres. Je suis humain. J'aurais pu vous tuer pour avoir essayé de nous prendre en traître. Non, non, je voulais juste me cacher. Pour échapper à ces créatures. Je m'appelle Powell. J'ai vu ce qui est arrivé à ce Turien. C'est l'autre qui l'a flingué. Dites-moi comment est mort Nihlus. L'autre Turien était là en premier. Votre ami est arrivé après. J'ai entendu le nom Saren. Apparemment, ils se connaissaient. Votre ami a eu l'air de se calmer, il a baissé sa garde. Et ce Saren lui a tiré dans le dos. Heureusement que j'étais à l'abri derrière ces caisses. On nous a informé qu'une balise protéenne se trouvait dans le spatioport. Où est-elle? Sur l'autre plateforme. Je parie que ce type là, ce Saren, c'est là qu'il allait. Il a sauté sur le train de marchandises après avoir refroidi votre ami. Je savais que cette balise attirait les ennuis. Tout est allé de travers depuis qu'on l'a trouvé. D'abord cette saloperie de vaisseau mère apparaît, et ensuite cette attaque. Tout le monde est mort. Tout le monde! Heureusement que j'étais à l'abri derrière ces caisses, sans quoi j'aurais clamsé aussi. Vous êtes le contact de Cole sur les docks pour le réseau de contrebande. Hein? Mais non! Enfin... Qu'est-ce que ça peut faire maintenant? Oui, c'est vrai, je suis un contrebandier, et alors? Mon contremaître est mort, toute mon équipe est morte. Alors ça n'a plus vraiment d'importance, non? Il n'y a rien de planqué dans le coin qu'on pourrait utiliser contre les guettes? On a reçu une cargaison de grenades la semaine dernière. Personne ne remarque quand il manque 2-3 éléments dans les stocks de l'armée. Sale petit enfoiré! On s'échine à te sauver la mise et tout ce qui t'intéresse, c'est comment nous entuber? Comment j'aurais su que vous en auriez vraiment besoin? On est une planète agricole, bon sang! Comment je pouvais prévoir qu'on se ferait attaquer? Laissez tomber, il n'en vaut pas la peine. T'as de la chance que le commandant soit là, Powell. Donne-nous ces grenades. Voilà, tenez. La contrebande, c'est terminé pour moi. Juré. De nombreux marines sont morts ici, Powell. Ces grenades auraient pu leur servir. Si j'étais vous, je chercherais un moyen de me rattraper. Eh ben, j'avais mis autre chose de côté. Ça pourrait bien valoir une fortune. Technologie expérimentale, le top du top. Tenez, moi ça me sert à rien. Je voulais faire de mal à personne. Vraiment. Il faut retrouver cette balise avant qu'il ne soit trop tard. Prenez le train de marchandises. C'est ce qu'a fait l'autre Turien. Je peux pas rester là, il faut que je me casse d'ici. Thank you.
armez les charges. Détruisez toute la colonie. Effacez toute trace de notre présence. Charge explosive. Un cadeau des guettes, probablement. Il faut les trouver, les désamorcer toutes. Vite! Ennemi neutralisé. Mon Dieu, une bombe a explosé ou quoi? Ça doit être l'endroit où le vaisseau Geth s'est posé. Normandie, la balise est sécurisée. Demande d'évacuation immédiate. En état de marche. Vraiment fabuleux. Elle faisait pas ça quand on l'a déterrée. Quelque chose a dû l'activer. Bien reçu. On reste en stand-by.
touchez pas! Non, la touchez pas, c'est trop dangereux! Nous avons identifié le vaisseau qui s'est posé sur Eden Prime. Il s'agit du Normandie, un vaisseau humain de l'Alliance. Il était dirigé par le capitaine Anderson. Ils sont parvenus à sauver la colonie. Et la balise? L'un des humains a peut-être réussi à l'utiliser. Docteur? Docteur Chakwas? Je crois qu'elle se réveille. Vous nous avez inquiétés, Shepard. Comment vous sentez-vous? J'en serai quitte pour quelques bosses. Combien de temps je suis restée dans le coltar? Une quinzaine d'heures. Cette balise vous a fait quelque chose, j'ai l'impression. C'est ma faute. J'ai sûrement déclenché une sorte de champ de sécurité quand je me suis approché. Vous avez dû me pousser de là. Vous ne pouviez pas savoir ce qui se passerait. En fait, nous ne savons pas si c'est ce qui l'a détruite, et malheureusement, nous ne le saurons jamais. Elle a explosé. Surcharge du système, peut-être. L'explosion vous a mise KO. Du coup, Williams et moi, on vous a transporté jusqu'ici. Quels sont les dégâts, docteur ? Physiquement, vous allez bien, mais j'ai détecté une activité cérébrale étrange, des ondes bêta anormales. J'ai aussi remarqué des pics d'activité durant le sommeil paradoxal. Ce sont des signes typiquement associés à des rêves intenses. J'ai vu... En fait, je ne suis pas certaine de ce que j'ai vu. La mort, la destruction, rien n'est vraiment clair. Je vais ajouter ça à mon rapport. Ça pourrait... Oh, capitaine Anderson. Comment va notre commandant au second, docteur? Tous les examens ont l'air normaux. Je pense que le commandant va s'en remettre. Ravi de l'entendre. Shepard, il faut que je vous parle, en privé. À vos ordres, capitaine. Je serai au mess si vous avez besoin de moi. On dirait que cette balise vous a bien secoué, commandant. Vous êtes sûr que ça va? Je n'aime pas que des soldats meurent sous mon commandement. Ne vous reprochez pas la mort de Jenkins, Shepard. Vous avez fait du bon travail. Est-ce qu'on a laissé l'artilleur Williams sur Eden Prime? Je me suis dit que nous aurions besoin d'un soldat comme elle. Elle a été réaffectée sur le Normandie. Williams est un bon soldat. Elle le mérite. Le lieutenant Alenko est d'accord avec vous. C'est pour cette raison que j'ai décidé son transfert. Vous avez dit que vous vouliez me voir en privé, capitaine? Je ne vais pas vous mentir, Shepard. Ça se présente mal. Nilus est mort, la balise a été détruite, les guettes nous envahissent. Le Conseil va vouloir des réponses. J'ai juste fait mon boulot, chef. J'espère que le Conseil comprendra ça. Je vous soutiendrai, vous et votre rapport. En ce qui me concerne, vous avez l'étoffe des héros. Mais ce n'est pas pour ça que je suis là. Il s'agit de Saren, cet autre Turien. Saren est un spectre, l'un des meilleurs, une légende vivante. Mais s'il collabore avec les Guettes, ça signifie qu'il a changé de camp. Et un spectre renégat, c'est le début des ennuis. Saren est dangereux et il déteste les humains. Pourquoi? Il pense que nous nous étendons trop vite, que nous envahissons la galaxie. Beaucoup d'extraterrestres pensent comme lui, mais la plupart en restent là. Pas sa reine. Il s'est allié avec les Guettes. Je ne sais ni comment ni pourquoi, mais c'est lié à cette balise. Vous étiez sur place juste avant que la balise ne s'autodétruise. Vous avez vu quelque chose? Un indice qui pourrait nous indiquer ce que cherchait sa reine?
Juste avant de perdre connaissance, j'ai eu une sorte de vision. Une vision ? Qu'est-ce que vous avez vu ? J'ai vu des créatures artificielles, les guettes peut-être, massacrer des gens. Un vrai carnage. Il faut signaler ça au Conseil, Shepard. Pour leur dire quoi exactement ? Que j'ai fait un mauvais rêve ? Nous ignorons quelles informations étaient stockées dans cette balise. Une technologie protéine disparue ? Les plans d'une ancienne arme de destruction massive ? Quoi qu'il en soit, Saren s'en est emparé. Mais je connais Saren. Je connais sa réputation, sa manière de faire. Il pense que les humains sont une plaie pour la galaxie. Cette attaque, c'était un acte de guerre. Il possède les secrets de la balise ainsi qu'une armée de guettes à ses ordres. Et il ne s'arrêtera pas avant d'avoir éradiqué l'humanité de toute la galaxie. Je trouverai un moyen de le vaincre. Ce n'est pas si facile. C'est un spectre. Il peut aller partout et faire à peu près tout ce qu'il veut. C'est pour ça que nous avons besoin du Conseil. Si on arrive à prouver que Saren est un traître, le Conseil le destituera. Je vais prendre contact avec l'ambassadeur, voir s'il peut nous obtenir une audience avec le Conseil. Il voudra nous rencontrer dès que nous serons à la Citadelle. On ne doit plus être très loin. Montez sur le pont et dites à Joker de nous conduire à quai. Content de voir que vous allez bien, commandant. Je suis contente que vous alliez bien, commandant. L'équipage a besoin de bonnes nouvelles après ce qui est arrivé à Jenkins. Jenkins était une recrue de valeur. Je me sens un peu coupable de ce qui est arrivé. Si Jenkins était encore en vie, je ne serais peut-être pas là. Vous êtes un bon soldat, Williams. Votre place est sur le Normandie. Merci, commandant. Très flatté. Ça a été plutôt rude là-bas. Vous allez bien ? J'ai déjà vu des amis mourir. C'est inévitable quand on est un marine. Mais toute mon unité... Et on ne s'habitue jamais aux morts civiles. Enfin, sans vous, ça aurait été bien pire. Nous n'aurions pas réussi sans vous non plus, Williams. Merci, commandant. Très franchement, j'étais un peu inquiète d'être nommée sur le Normandie. C'est agréable de sentir qu'on est la bienvenue. Je pense que vous allez parfaitement vous intégrer ici, Williams. Merci, commandant. Commandant, content de voir que vous allez bien. La mort de Jenkins, c'est un coup dur pour l'équipage. Heureusement que nous ne vous avons pas perdu aussi. Ça a été plutôt rude là-bas. Les morts civiles, on ne s'y habitue jamais. Ça paraît injuste quelque part. Mais au moins, vous avez empêché Saren d'éliminer toute la colonie. Je n'aurais pas réussi sans vous. Entre Marines, on doit se serrer les coudes. Je regrette juste qu'on ait perdu Jenkins. Si seulement j'avais pu faire quelque chose pour le sauver. J'étais là. Vous avez fait ce qu'il fallait. C'était juste de la malchance. En fait de vol d'essai, on a eu droit à un sacré baptême du feu. Un spectre qui en désingue un autre. Le Conseil va faire la gueule. Et il en profitera sans doute pour soutirer d'autres concessions à l'Alliance. Vous connaissez bien les rouages de la situation. Militaire de carrière ? Comme beaucoup de biotiques. Rien d'obligatoire. Mais l'armée nous fait des ponts d'or. Alors tant qu'à faire, autant en tirer profit. Et puis mon vieux était dans l'armée. Tel père, tel fils. Enfin, plus ou moins. Et vous ? J'ai toujours vécu dans un environnement militaire. Ça laisse des séquelles. Plus une certaine renommée dans mon cas. Mais bien sûr, d'orphan. Sale histoire. On a dû vous laisser le choix de l'affectation après ça. Il paraîtrait qu'on fait route vers la Citadelle ? Vous pouvez me dire ce qu'on va y faire ? Le capitaine espère obtenir une audience auprès du Conseil. Il faut les mettre au courant des plans de Saren. Ça se tient, vu que Saren n'a pas eu la politesse de donner son préavis. Quoi qu'il arrive, nous serons prêts, commandant.